Bonjour. Cette vidéo est une réponse à une question qui m'a été adressée concernant les exemples qui sont proposés dans le cadre du logiciel Opal. Donc là, je suis sur l'interface du logiciel Opal 4. C'est la nouvelle interface. Donc au niveau de cette nouvelle interface, si vous allez ouvrir votre Opal, vous allez trouver un bloc qui comporte premièrement une brève description de Opal, les items qui sont proposés au niveau de Opal. Donc il y a pas mal d'items. Là, ce sont des descriptions évidemment qui concernent Opal. Et vous avez évidemment donc des extensions aussi si vous souhaitez installer des extensions qui sont en relation avec de Opal. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le contenu, ou bien les contenus du type exemple. Donc là, vous avez deux au moins pour Opal, la version de Opal. Il y a le modèle ou bien l'exemple de Opal simple, c'est-à-dire Opal Starter. Vous avez une version complète de Opal. C'est-à-dire la version Advanced, c'est-à-dire la version complète, comme vous avez évidemment la version Emerald si vous souhaitez avoir ou bien si vous souhaitez l'installer. Donc pour installer ou bien pour bénéficier de cet exemple, vous allez cliquer sur Télécharger un exemple. Et là, vous allez cliquer sur OK. Donc le téléchargement va se faire depuis l'interface du site Opal. Donc normalement, on va vers Opal et là je vais trouver la version Opal 4. Et voici l'exemple que je viens juste de le télécharger directement. Donc qui comporte évidemment pas mal d'informations. C'est un exemple très riche qui comporte presque toutes les fonctionnalités possibles que vous pouvez évidemment le publier en format web ou bien en format papier ou autre type de format. Donc là, je vais opter vers le format web. Je vais générer et j'aurai évidemment une version complète d'un module que je peux l'utiliser pour comprendre le fonctionnement de Opal. Voilà, donc là, je peux cliquer sur consulter pour visualiser la version de Opal, la version évidemment HTML. Donc là, je peux naviguer facilement. Donc tout ça, c'est simplement pour vous donner une idée des rubriques et des éléments que nous pouvons ajouter sur le logiciel Opal. N'hésitez jamais à me contacter ou à commenter cette vidéo. Je laisse à votre disposition pour toute autre question. Merci.